beaucoup. Nous avons été dépêchés sur place ici à Kassange. Sous son instruction, il fallait qu'on vienne avec deux motifs. Le premier motif, nous sommes venus avec l'entreprise Omega parce qu'on a vu que les travaux de la route RN39 à partir du pont de Koulégi jusqu'à Tilolo, ça ne pouvait pas durer longtemps. L'autorité a décidé qu'on amène Omega pour voir comment on peut accélérer et profiter pendant cette période ici de la saison sèche. Deuxième mission, pour laquelle vous voyez à côté de M. le maire, il y a le partenaire de l'entreprise Invest Congo, M. Dja. C'est pour deux raisons. D'abord, la première raison, c'est pour l'éclairage public dans la ville de Kassangi. Vous savez que Kassangi, c'est la deuxième ville de notre province de Lualaba. Alors, on va mettre de l'éclairage public. Et puis, deuxième problème, c'est pour voir comment est-ce qu'on peut refaire la voirie urbaine de la ville de Kassangi, c'est-à-dire les routes de la ville de Kassangi. On va faire un certain nombre de kilomètres. Et si nous avons vu M. le maire, parce qu'on ne peut pas faire ça de nous-mêmes, ou l'entrepreneur ne peut pas le faire de lui-même, il fallait toujours consulter M. le maire, c'est avec lui qui va nous dire que non, pour l'éclairage, nous allons prendre telles avenues et tels sites qu'on peut éclairer. Et pour la voirie urbaine aussi, c'est M. le maire à qui revient le droit de nous citer les avenues qui seront arrangées et ça sera asphalté. On finira par asphalter toutes ces avenues-là qui seront ciblées par l'autorité urbaine. Merci beaucoup, Excellence.